les gens, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors perso, l'été, je kiffe parce que en soi, il y a le soleil, il est beau, il est chaud. Enfin, parfois trop chaud, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est qu'on peut pas faire des tenues vraiment complètes parce que justement, on doit pas porter beaucoup de choses. On doit quand même envoyer avec pas grand chose. Donc le truc, c'est que tu dois pas avoir chaud. Par contre, le point positif, c'est que tu peux mettre un maximum de couleurs. Pour moi, il y a quelques bails que tu dois forcément avoir pour être bien en été. Les chaussures basses blanches. Pour moi, ça, c'est l'indispensable, qu'elles soient archi simples. Parce que j'y connais pas grand chose dans les chaussures, mais j'ai quand même ma paire de chaussures blanches qui est basse, enfin qui va avec tout. Quand je dis blanc, c'est vraiment toute blanche, genre avec rien d'écrit. Moi, je prends des chaussures où il y a vraiment aucune inscription, ou sinon, c'est que du blanc. Vraiment toute blanche. Et le truc, c'est un bermuda bleu. Quand je dis un bermuda bleu, c'est un bermuda bleu en jean. Parce que je trouve que ça va avec n'importe quel type de peau, ça va avec n'importe quelle chaussure, ça va avec n'importe quel haut. Donc, je pense que c'est vraiment un indispensable. Par contre, une autre chose, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les sandales. Je vois pas dans quelle autre circonstance que la piscine, tu peux porter des sandales. Parce que dans les transports, je vois de plus en plus de personnes avec des sandales. Enfin, je comprends pas. En fait, le truc, c'est que je trouve que des pieds de mec, c'est tellement moche. Les femmes, elles peuvent porter parce qu'elles prennent soin de leurs pieds, elles se manicurent, elles mettent du vernis et tout, enfin, pour que ce soit plus beau. Mais les mecs, on peut pas, nous. Des pieds d'homme, je suis désolé, mais c'est moche. Faut les cacher. Je pense qu'il vaut mieux porter des chaussettes invisibles. Quand je dis des chaussettes invisibles, c'est pas des chaussettes, des sockets. J'en parlais récemment avec mon frère et il m'a montré des chaussettes qui considéraient comme invisibles, mais en fait c'est des sockets qui portaient. Il y a une différence entre les sockets qui sont en général pour le sport et les chaussettes invisibles. Les chaussettes invisibles, justement, bah elles sont invisibles. Vous m'avez montré des chaussettes invisibles visibles, hein, what the f. Pour rendre la vidéo un peu plus intéressante, je me suis dit que j'allais partager avec vous certaines idées de tenues que j'aime porter en été. Perso, j'aime bien regarder cette vidéo sur la chaîne des gens parce que ça me donne des idées quand je suis un peu en manque d'inspi. Donc ça décale pour pouvoir afficher les tenues ici. Donc la première tenue, j'avais pensé à un total look noir. Donc vraiment tout noir avec juste le t-shirt en couleur qui pète. Pour le coup, c'est du orange, mais ça peut être n'importe quelle couleur si vous n'êtes pas à l'aise avec du orange. Je pense que n'importe quelle couleur, ça peut être du rouge, ça peut être du bleu, ça peut être du jaune. Enfin, n'importe quelle couleur qui se démarque du noir, quoi. Je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, pour toutes les tenues que je vais vous montrer, là, j'ai pris les mêmes accessoires. Hein. C'est même pas des accessoires que j'ai achetés. C'est des accessoires que ma grand-mère m'a offert, même d'acheter, t'as vu. Toujours deux bracelets noirs et un collier noir. Sauf parfois, j'enlève le collier quand je trouve que ça va pas trop. J'ai pas encore acheté de nouveaux accessoires, c'est pas trop ma priorité. Mais je trouve que les accessoires, c'est une bonne idée en été pour un peu élever la tenue. Et pour le coup, je trouve que les accessoires, ça va vraiment bien avec la tenue parce que c'est comme ils sont tout noirs, je trouve que ça va bien avec le bas, bah, les chaussures, la casquette, les. Enfin, tout quoi. À part le t-shirt, ça n'a rien à voir, mais bon, justement, c'est ça qui pète quoi. C'est ça que j'aime bien. Ça, c'est pas une tenue que je vois souvent parce que, ouais, je suis d'accord à 100%, mais vraiment 100%, je vais être le premier à être d'accord. Il faut mettre des couleurs. Mais je trouve que c'est une bonne idée, genre, de mettre bah, un truc total noir avec une couleur qui pète. Justement, ça met en valeur la couleur. Ensuite, je vais vous montrer des tenues avec l'essentiel dont je vous ai parlé, donc le bermuda en jean bleu. La première tenue, c'est une tenue très basique, mais bon, j'aime beaucoup parce que le jaune et le bleu, je trouve que ça se marie vraiment bien. Un petit rappel tranquille entre les baskets et la casquette. Cet accessoire, ça va pas vraiment avec la tenue en fait en soi, à part avec le logo de la casquette, mais bon, sinon il n'y aura pas de noir. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, le bermuda en jean bleu, comme ça, tu peux le mettre avec plein de choses. Tu peux le mettre avec un t-shirt. Là, l'autre tenue, tu peux aussi le mettre avec une chemise. La couleur, ok, elle est un peu osée, mais bon, moi je kiffe les couleurs. Toujours avec les chaussures blanches. Les chaussures blanches, de toute façon, c'est vraiment pour ça que c'est un essentiel. Moi, je leur mets pratiquement tout le temps. C'est pas prise de tête, ça va bien, ça égaye la tenue, c'est. Franchement, c'est bien. Il y a aussi une espèce de mode, enfin, je sais pas si c'est une mode encore en ce moment, mais je vois de plus en plus de gens avec un look monochromatique comme ça, donc d'une seule couleur, mais vraiment toute la tenue d'une même couleur. Bon, moi, j'aime pas trop. J'aime bien l'idée d'associer le haut avec le bas. Donc là, par exemple, j'ai mis un sweat bleu qui va bien avec le jean bleu. Par contre, je suis obligé de changer la couleur des chaussures et la couleur de la casquette parce que sinon, je trouve que ça fait trop. Après, chacun son avis. Donc, toujours dans le look monochromatique, là, c'est des tenues avec du kaki. Bon, on peut faire ça. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure avec un bermuda. Bon, ça peut très bien être avec le jogger pen kaki que je vous montre là. Encore John H, hein, j'adore cette marque. Pour le coup là, c'est vraiment full monochromatique là, enfin même la casquette, par les chaussures évidemment, parce que je vais pas mettre tout la même couleur. Parce que là, je vous montre par exemple une tenue tout en rouge, enfin tout en dégradé de rouge là, genre la casquette bordeaux, le t-shirt rouge, jogger bordeaux, les chaussures bordeaux. Perso, j'aime pas trop, j'aime pas comment ça rend, je trouve qu'il y a rien qui pète. Parce que justement, comme toute la même couleur, enfin y a rien qui peut péter. Donc je suis pas vraiment fan. En tout cas pas avec cette couleur. Peut-être limite avec du noir ça pourrait le faire. Blanc éventuellement, du gris. Aussi en été évidemment on peut jouer avec les rappels de couleurs, ça c'est vraiment la base. Par exemple là j'ai fait un petit rappel simple entre les chaussures et la casquette. Ça passe, ça passe. Par contre comme c'est des rappels de couleurs fortes, là le bleu pour le coup que j'ai porté c'est une couleur assez forte. J'ai essayé d'un peu atténuer avec des couleurs sobres le reste quoi. Genre un t-shirt blanc, un jogger gris, gris clair. Limite blanc, enfin c'est des couleurs qui sont vraiment passe-partout. C'est pour ça que je pense que je peux me permettre un rappel avec une couleur aussi forte. Prends un autre exemple de tenue, bon encore une fois avec un rappel, bon c'est très très simple, genre le rouge, le noir. Franchement c'est des trucs simples, mais bon c'est des idées. Après en été, si vous voulez vraiment un truc décontracté, vous pouvez aussi prendre la veste en jean. Une veste en jean de couleur bleue avec un t-shirt blanc, des chaussures blanches, après le bas, peu importe la couleur, ça passera. Pour moi ça rend toujours bien, peu importe la couleur du bas, ça sera beau. Ça peut être kaki, ça peut être bordeaux, ça peut être gris, ça peut être camel, ça peut être
beige, ça peut être tout ce que vous voulez, du moment que vous avez cette base. Donc après, si vous voulez penser un tout petit peu plus loin, vous pouvez par exemple donc mettre la veste en jean avec un t-shirt blanc, des chaussures de couleur et un bas d'une autre couleur encore. Ça peut être n'importe quelle chaussure de couleur, même des chaussures bleues, des chaussures kaki, des chaussures jaunes. J'ai déjà vu ça, ça rendait grave bien, le gars avait un flow de malade. J'ai vu ça dans les transports récemment, je trouve ça trop propre. Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens en été qui aiment mettre une tenue complètement blanche. Je trouve que ça fait très été, mais je trouve que ça fait très plage. Genre, je porterai pas ça dans les transports, donc j'atténue par exemple avec donc un bas de couleur quand même très clair, parce que j'aime bien l'idée de la tenue complètement claire, et une casquette grise pour matcher ensemble. Je trouve que ça fait quand même un rappel, mais c'est un peu moins blanc, quoi. C'est un peu moins monochromatique. J'aime pas trop le full monochromatique. Vraiment, la veste en jean, c'est une trop bonne idée en été. Donc voilà, les gens, c'était quelques idées de tenue pour l'été. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Faites des essais, mettez des accessoires. Je trouve que c'est important quand même, les accessoires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je fais des petites photos de tenue. Même si c'est pas vraiment des tenues d'été, parce que je vous explique, j'ai pris plein de photos à un certain moment où c'était pas en été, justement. Et du coup, c'est pas vraiment des photos en rapport avec la saison. Mais bon, ça prend du temps de prendre des photos, donc parce que je peux. Mais bon, je vais quand même essayer de faire quelques photos avec des tenues estivales. Portez-vous bien. Tchuss!